tous et toutes les bienvenus dans ce culte numérique, puisqu'il n'est pas possible de se réunir ici dans l'Église même. Aussi, dans ces circonstances, nous disons que notre secours est au nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, et qui n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous chantons le psaume 70, 3 strophes. Chercher ta face, être en communion avec toi, vivre ta paix et ton amour, bien que nous ne puissions pas nous réunir comme d'habitude. C'est à distance les uns des autres que nous te prions. Aie pitié de nous et de notre monde, où bien des gens ressentent l'insécurité et la peur
et ça peut concerner nous-mêmes. Fortifie-nous et encourage-nous, Dieu, et pardonne-nous notre manque de confiance en toi, notre manque de foi et d'espérance et d'amour. Aide-nous à toujours compter sur toi, à vivre dans ta présence, afin que nous la réunions autour de nous. Pour ce culte, nous te prions. Viens au milieu de nous. Viens dans nos appartements et nos maisons. Illumine-nous par ton esprit et dirige nos pensées et nos paroles vers Jésus-Christ, en qui tu t'es manifesté dans le monde, que tu as choisi pour annoncer ton royaume et ton amour et ta volonté. Nous t'en prions en son nom. Amen. Nous sommes dans le temps de l'épiphanie, de la manifestation de Jésus dans le monde. Et ce dimanche est le dimanche du baptême de Jésus, où il a annoncé comme le Fils du Dieu céleste. Il y a deux lectures. La première est prise du livre du prophète Isaïe au chapitre 42. Et puis, il y aura la lecture de l'Évangile de Marc au premier chapitre. Ésaïe, chapitre 42, les versets 1 à 9. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qui révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu, qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel. Voilà quel est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Les premiers événements se sont produits, et je vous en révèle de nouveau. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Et puis la lecture de l'Évangile selon Marc. Au début, au premier chapitre. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans le prophète Isaïe. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits.
Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Chers amis, frères et sœurs, ce dimanche est consacré au baptême de Jésus par Jean-Baptiste, mais d'abord je veux prêter attention à la lecture du livre d'Isaïe. Pour un lecteur ou auditeur chrétien, le passage que nous venons d'entendre fait penser à Jésus. Le prophète parle d'un serviteur choisi et approuvé par Dieu. Il a reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour cette raison que cette lecture semble annoncer la descente de l'Esprit sur Jésus tout de suite après son baptême. Le serviteur dont parle le prophète instaurera le droit sur la terre. Il sera la lumière des nations et il fera sortir les prisonniers de leur captivité. Dans le contexte biblique, nous dirions que cela s'applique à Jésus qui nous fera sortir de la prison de nos mauvaises pensées et de nos mauvaises habitudes, qui a illuminé un grand nombre de nations de son message et qui a montré comment respecter le droit des pauvres, des malades, des opprimés, bref, si on veut, les droits de l'homme. Cette manière de comprendre cette prophétie est légitime et nous ne serions pas les premiers à la lire dans ce sens chrétien. Pourtant, le premier sens original
était bien différent. Quel était alors le premier sens du passage d'Isaïe? Dans son contexte, le prophète a premièrement parlé d'un roi perse, de l'Iran de nos jours, qui devait libérer les Israélites de leur captivité babylonienne. Depuis presque 70 ans, un grand nombre d'Israélites avaient été exilés à Babylone à cause de leurs péchés, à cause de l'injustice sociale, à cause de leur vénération d'autres dieux que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais cet exil aurait une fin. À un moment donné, les Perses, les Iraniens, ont conquis l'empire babylonien sous le commandement de leur roi Corès. C'est Kuros en grec et Cyrus en latin. Et selon le prophète, ce roi perse était un serviteur de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Car l'Éternel est le Dieu de toutes les nations, et dans la vision du prophète, c'était le Dieu d'Israël qui avait pris ce roi à son service, sans que celui-ci en fût conscient. Cette vision relevait de l'analyse du prophète, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et si vous disiez qu'Isaïe ne mentionne pas le nom de Cyrus, vous auriez raison, mais au chapitre 45, le prophète l'appelle par son nom, et sans doute, là, il s'agit de la même personne. Tout d'un coup, cette vision d'Isaïe nous jette dans l'actualité. Car peut-être vous savez que bien des chrétiens évangéliques aux États-Unis ont dit que de la même manière, Dieu a pris à son service le président Donald Trump, bien que personnellement, il n'ait pas mené une vie chrétienne. Mais Trump était prêt à défendre quelques valeurs évangéliques, américaines en fait, adoptées par les évangéliques, comme le port d'armes et l'interdiction stricte de l'avortement et l'idéologie du rôle minimaliste du gouvernement fédéral. Et c'est pourquoi il était leur candidat favori il y a 4 ans et même encore. Ils disaient et ils reconnaissent encore qu'on ne peut guère qualifier Trump d'un chrétien né de nouveau, born again, mais s'il défend nos intérêts considérés chrétiens, il est toujours un serviteur de Dieu, tel Cyrus. Lisez Isaïe 42 et 45. Pour ma part, je n'aime pas parler politique dans une prédication, mais si un texte biblique est ainsi cité dans le domaine public, à la télé et dans les journaux, je me sens contraint d'en dire quelque chose quand même. En prédicateur, je me limite à dire que cette application des prophéties d'Isaïe à cette actualité américaine est très contestable et qu'au moins elle devrait être examinée sérieusement et pas acceptée les yeux fermés. On peut vraiment se tromper terriblement en ce qui concerne l'application de ces textes anciens, et leurs auteurs ne peuvent pas s'en défendre. En général, il est vrai que les textes bibliques sont ouverts à des applications diverses, mais il y a des limites, car il faut tenir compte du cadre biblique. Et pour rester dans ce cadre, il faut connaître toute la Bible, y compris le Nouveau Testament, et être prêt à associer une interprétation osée et douteuse à d'autres textes qui disent tout autre chose. Selon une deuxième interprétation ancienne et juive,
Cette prophétie d'Isaïe ne parle pas de Cyrus, mais du peuple d'Israël comme le serviteur de Dieu, qui, étant la lumière des nations, leur révèle le droit. Et effectivement, leurs Écritures, l'Ancien Testament, nous enseignent le droit, la justice et la paix. Pensons au très beau psaume 72 du début de ce culte qui chante la louange d'un roi juste et équitable qui établit la paix et la justice. Et ces notions bibliques ont influencé bien des penseurs, elles ont inspiré bien des politiciens, mais elles ont aussi été rejetées et ridiculisé. Vous comprenez que la troisième application du passage d'Isaïe porte sur Jésus. Car c'est lui, le roi par excellence, qui, en fin de compte, surpasse le pouvoir et l'influence de Cyrus. Il ne faut pas mettre Jésus en opposition au peuple juif comme le serviteur de l'Éternel, car Jésus est un fils de ce peuple. Il est juif à 100% et tout son message respire l'Ancien Testament. Cela dit, nous ne pouvons pas appliquer tous les éléments de la prophétie d'Isaïe à Jésus. Nous lisons que ce serviteur ne fera pas entendre sa voix dans les rues, mais c'est précisément ce que Jésus a fait. Il a enseigné les gens au marché et dans les rues. Il ne faut donc pas prendre tout au pied de la lettre, mais en gros, ce passage d'Isaïe nous fait penser à Jésus, et en outre, il est très bien possible que lui aussi ait compris que les passages d'Isaïe sur le serviteur de l'Éternel décrivaient le chemin qu'il devait prendre, qu'il devait suivre. Une correspondance entre les deux textes du prophète Isaïe et de l'Évangile, je l'ai déjà dit, c'est que le serviteur de l'Éternel avait reçu son Esprit Saint et qu'au moment de son baptême, Jésus aussi a reçu ce même Esprit de Dieu. Puis, une voix du ciel lui a dit « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. » Ce fut, bien sûr, la voix de Dieu, son Père céleste. Essayons de nous imaginer ce que ce baptême dans le Jourdain a signifié pour Jésus. Nous ne savons pratiquement rien de ce qu'il a fait avant de se rendre vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui, comme tous ces autres gens qui étaient prêts à subir ce baptême de repentance pour le pardon de leurs péchés. Marc ne dit rien des années qui précèdent le baptême de Jésus, sauf qu'à Nazareth, il était connu comme charpentier, au chapitre 6. Est-ce que Jésus s'est préparé à son ministère public? Et si oui, comment? A-t-il passé des années dans la solitude du désert? Qu'est-ce qu'il savait vraiment de sa destination? A-t-il visité des communautés religieuses comme celle des Esséniens? C'est bien possible, mais les quatre évangiles n'en disent rien du tout. Si nous prenons au sérieux ce manque d'informations sur ces années antérieures, nous devrions conclure que le moment de son baptême et de la descente de l'Esprit-Saint sur lui et de la proclamation de la voix céleste qu'il fut le Fils bien-aimé, que c'était le moment de sa vocation à son ministère. À ce moment-là, il fut baptisé en signe de repentance pour le pardon des péchés, il a compris et assumé ce qu'il devait faire dans la vie.
quelle était sa vocation. Puis, il s'est retiré dans le désert durant 40 jours, où sa vocation était mise à l'épreuve par le diable, où il a lutté avec les démons qui le hantaient pour le dévoyer de sa vocation. Puis, au bout de ces 40 jours, il a commencé sa proclamation de la venue du royaume de Dieu et de la nécessité de se repentir et de changer de style de vie. Dans la foi chrétienne, nous disons que le ministère de Jésus était unique. Et je crois que c'est juste, je pourrais en dire beaucoup, mais pour l'instant, je voudrais nuancer un peu son unicité et rapprocher Jésus de nous, ses disciples, ses serviteurs. Car pour chacun de nous, il serait salutaire de vivre un tel moment ou des moments où nous nous inclinons devant Dieu, où nous vivons sa réalité, son pardon, son amour, où nous recevons son esprit, son inspiration, où nous entendons son appel et où Dieu nous dit qui nous sommes pour lui, ses enfants bien-aimés. Jésus n'aurait pas pu se passer du baptême administré par Jean. Sinon, il n'aurait pas pu faire ce à quoi il était destiné par Dieu. D'une autre manière, la plupart de nous, nous avons été baptisés aussi, mais en général, nous ne nous en souvenons rien. Par contre, c'est souvent la confirmation dans l'adolescence ou plus tard dont nous avons un souvenir clair, mais souvent c'était plutôt une formalité. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est que Jésus s'est fait baptiser pour nous, pour assumer son rôle de sauveur, mais que également nous, qui voulons le suivre, en principe, nous ne pouvons pas nous passer de ces moments de nous incliner devant Dieu, d'être purifiés de nos mauvaises habitudes, de recevoir l'Esprit Saint et de recevoir notre vocation à la vie, en communion avec Dieu, avec Jésus-Christ. Amen.
Dieu, malgré toutes les restrictions et les désagréments de nos jours, nous te remercions. Car en toi, nous pouvons trouver une stabilité, une paix qui ne dépendent pas de nos circonstances. Car tu nous accompagnes où que nous nous trouvions, tu nous rends visite où que nous soyons, tu veux nous illuminer de ton esprit si nous voyons surtout l'obscurité et nous sommes désorientés. Nous te prions de nous accorder ces grâces, de nous baptiser de ton esprit, de nous montrer le chemin à suivre, afin que dans la vie nous puissions faire ce que tu attends de nous, selon nos capacités, même si nous nous sentons faibles. Nous te prions pour le monde où des millions de gens mènent une vie malheureuse, marquée par une maladie, un virus, par l'injustice, par la violence, par l'insécurité, par le froid dans leur camp de réfugiés. Aie pitié d'eux et veuille bénir tous ceux qui essayent à battre la pandémie ou à établir la justice et la paix. Sois avec les médecins et avec tous ceux qui soignent les malades. Bénis leur effort. Et que nous aussi, nous puissions transmettre ta pitié et ton amour pour toute l'humanité. Nous te prions pour les enfants et les jeunes qui souffrent du confinement et du manque de liberté de se déployer. Pour les enfants et les jeunes qui vivent dans un pays instable, en guerre ou dans une dictature, aie pitié d'eux et donne la sagesse et la bonne volonté aux adultes, aux autorités qui auraient le pouvoir d'assurer un autre avenir, qui inspire l'espérance. Prions un moment en silence. Et terminons nos prières par les paroles que Jésus nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous chantons le cantique 266, « Ô Jésus, mon frère ».
terminer, nous recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.